Bonjour, bonjour. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bras de fer, mais avec une autre personne cette fois. Ouais. L'unique, le vrai Alessandro. C'est ça. Du coup, bah, on va y aller. C'est alors le bras de fer de cette semaine, c'est en gros à chaque fois qu'on joue une créature, ça lance un sort aléatoire sur un personnage ou serviteur aléatoire. Et c'est très comment dire ? Bah c'est sur le principe d'une carte, Yogg-Saron. Ouais voilà. Bah c'est marqué. Ah oui mais je l'ai pas lu le truc. Donc du coup. Choisis une case. Alors la dernière fois j'avais pris chasseur, ça m'avait porté malchance, alors vas-y choisis pour moi. Allez, parce que j'adore chaman, on va prendre chaman. Ok. Ah mon dieu. Non, justement. Là. Alors c'est parti. Chaman. Je sais ce que ça va donner. Ça se trouve j'ai encore perdu, ça va faire ma troisième défaite d'affilée. Ouais. Oh non, ça serait trop. Vu les misplays que tu fais. Oh ça va, j'ai dit je suis pas une pro hein. Il y a des trucs faut un peu réfléchir hein. Non mais oh. Bon alors vraiment, tu jartes les deux gros trucs. Oui, c'est ce que je compte faire. Hop. Ça c'est bien. Oh bah. Oh, putain. Le poulet. Ouais mais faut pas le mettre maintenant. Oui non non. On met celle-là avant, celle-là après. Ça. Ça va, parce que comme t'es avec moi, du coup, je devrais pas trop misplay. Ouais, enfin. Enfin, on verra bien. Alors, attends, est-ce que ça va faire comme avec. Parce qu'on a des potes qui y jouent, et qui, eux, quand ils ont mis une créature, et ben, c'est fait directement défoncer, donc. Bon, bah là, j'ai. Non, j'ai. Yes. En même temps, bah, tu me diras, elle est inciblable. Hein. Donc, oui. Techniquement, si on part dans ce sens-là. Ouais, par des pouvoirs héroïques. Par le pouvoir héroïque. De toute façon, là, tu joues contre un démoniste. Non, donc son de pouvoir sort héroïque. Ou de pouvoir héroïque. Ah. Ah bah, ça se prend par contre les Vras. Ouais, par contre, ouais. Tant de possibilités. Ah. Bah, s'il joue, s'il a plein de murlocs, ça peut être intéressant. Bah, ça dépend en fait, parce que des fois, ça met pas forcément. Tu sais, tu peux avoir un murloc, mais pas que ce soit tout ton deck, donc du coup. Le petit poulet ou un totem, je sais pas. Mmh. Totem. Je dirais totem. Moi aussi. Tu peux chater le. Ah bon bah, tu trades. Tu vas perdre ta créature. Travail terminé. Oui, il faut savoir que les sorts ne fonctionnent que si on invoque une créature de notre main. Ah ouais, d'accord. Ça marche pas. Non, ça marche pas. Ok. Faut que ce soit forcément de ta main si c'est une créature qu'on invoque avant. Qui invoque une autre. J'arrive pas à parler. C'est une créature que t'invoques, mais qui va invoquer une autre créature. Cette autre créature ne va pas faire amener un sort. D'accord. Bon, bah, je pense que t'as perdu ton board là. Putain. Oh, fais chier. Après, c'est pas fini. Hein. Non, n'utilise pas le rang 5 PV. Réduis un serviteur au silence. Oui, ça bah, peut être celui-là. Pas mal. Attends, ah, bah, non, il a camouflage. Tu peux pas le cibler. Ah, oui, merde. La 3-3, non. Ah oh, si, poulet furieux et totem. D'accord, ça servait à rien. Et en plus, j'ai même pas pu invoquer de totem du coup. Comment ça se fait? Parce qu'en gros, c'était le sort qui dépense tout au cristaux de mana pour redonner des points de vie à un serviteur. Sauf que ça servait à rien du coup, et ça m'a niqué mes mana, et du coup, je peux pas mettre de totem. Pour moi, t'as perdu. Que t'as pas de chance. Sans blague, ça fait 3 fois que j'ai pas de chance. C'est comme ça, hein. Ouais. Malheureusement. Ah, tu te demandes. Ouais. Tu te demandes. Mais te demande pas trop longtemps non plus. Là là. Tant de possibilités. Mmh. Allez, bouge tes fesses. Oui, je peux mettre un terme. Ah merde. Bon. Ça aurait servi à rien, mais c'est pas grave. Oui.
Smiley face, logique. Bloc. Ouais, bah non, ça. Mais t'as pas de surcharge là. Oui, ça sert à rien, il y a autant de garder quand si j'ai un sort qui arrive en surcharge. C'est quoi le truc pour 4 ? Ça ? Nos serviteurs déclenchent deux fois leur râle d'agonie. Oui, ça peut être sympa si t'as du râle d'agonie dans ta main. Non. Si, toi ? Non. Ah non. C'est que. Ah, si, celui-là. En 5 PV au héros adverse. Ah non, c'est peut-être pas. C'est peut-être pas le play avec lui. Oh, non, peut-être pas judicieux, mais du coup, je peux silence lui. Oui, vas-y, excusez-moi. Et je peux toujours jouer lui. Ouais, ça rend 5 PV, ça changera pas grand chose. Ouais, ouais. Tu rends 5 PV à l'adversaire. Ouais. Vu qu'il a pas trop perdu, c'est pas trop grave. Oh yes! Il m'a donné. Oh non, c'est à lui! Oui, mais c'est pas grave. Je crois que c'est. Ah, c'est à un personnage. Ouais, mais c'est pas grave. Ah, c'est jusqu'à la fin du tour. Ouais, donc ça sert à rien. Ah là là. Faut avoir de la chance. Soit t'as de la chance, soit t'en as pas. Et moi, en l'occurrence, j'en ai pas depuis 2 semaines, 3 semaines maintenant. Ouais, mais bon, si tu joues un petit peu plus quand même, tu y arriverais peut-être mieux, là. Bah, j'y joue beaucoup, hein, quand même. Ouais, en cours. Bravo. Non. Bravo, la jeunesse. Non. Ouais, t'as pris. Ah. Oh, t'as perdu. T'as perdu, bon, je suis comme ça, hein. Oui, c'est bon, j'ai compris. Non, attends. Elle a perdu, au cas où vous n'aurez pas remarqué, elle a perdu. Il y a peut-être un sort qui peut me sauver. Tu vois, en mode coup de bol, c'est possible, hein. Ouais. Il peut y avoir des retournements de situation incroyable. Provoque, tu la mets. Oui. Là, t'as pas le choix. Rends 3 PV. Et. Ça sert à rien. Totem. Oui, totem. Ah, dégâts des sorts. Mais sauf que. Ça aurait été mieux une provoque encore. Et je crois pas que ça marche sur les sorts. Bon, t'as 5 d'armure en plus. Yes! Pour l'instant, je me maintiens, tu vois. Ça va faire comme il y a 2 semaines ou la semaine dernière où j'ai essayé de survivre. Au final, j'ai perdu, mais j'ai quand même essayé de survivre. Alors, je me rappelle plus, c'est quoi l'effet de celle qui est au milieu là ? Place. Ah, oh ça, tu mets. Allez, ça peut être rigolo. Oui. Un booster en live. Allez, hop. Hop. Oh putain, si je pouvais la piocher juste après. Ouais. Si votre adversaire possède. Merde, j'ai pas. Votre adversaire possède au moins 3 serviteurs et qu'il joue, en joue un autre, il le détruit. Oh, bah ça c'est bien pour le tour d'après. Ça me sauve. Hein. Ouais, après, ça dépend ce qu'il met. S'il met de la merde, ouais, c'est chiant. C'est un peu gâché. Quoi. Après, tour 5, tu peux mettre des trucs bien. Hein. Oui, non, bah normalement, oui. Mais après, tout dépend de sa pioche aussi. Aussi. Vu que les decks sont faits aléatoires. C'est aléatoirement, là. C'est ça. Tant de possibilités. Oui, tant de possibilités. Ah, avec Gul'dan, tu mets. T'arrêtes de BM là comme ça là. J'ai juste dit bonjour. Ouais, bah tu dis pas bonjour à ce moment là. Là, il va prendre ça pour une provocation. Bravo. Bravo la jeunesse. Mais non, je suis juste poli. Ouais, bah poli, tu dis ça en début de game. Il n'est jamais trop tard. Ça se trouve, il t'a mute dès le début. Si ça se trouve en plus. Ce serait tant mieux pour toi. Oh, ça va, il est jamais trop tard pour dire bonjour. De toute façon. Oh là là, la discussion. Il a pas dit bonjour. Du coup, il s'est fait. Mais putain, mais moi je le dis pas quoi. Oh là là. T'imagines le public, enfantin, jeune. Excusez-moi. Innocent. Je suis désolé. What? Bah ouais, c'est quoi son effet? C'est le gars. Non, mais du coup, il l'a pas invoqué de sa main, donc... Bon, j'ai la place de banane, ouais. ça fait un peu comme le jeu et qu'on fait provocation. Ça peut être intéressant. Bah là, ça te permet de survivre le temps de mettre autre chose, parce qu'il va être obligé de trade. Oui. Hop, ouais. C'est une copine, ça va être blessé, mon vêtement. Ouais, bah non, j'ai pas de serviteur à lui blesser, donc ça sert à rien. Putain, mais y'a rien que de mon côté là, ça me saoule. Alors, que va-t-il faire? Putain, moi j'ai l'habitude de jouer avec ces machins là, tu vois. Pourquoi tu fais jamais? Ça déstresse pourtant. Bah, je le fais, mais quand je suis à la maison, pépère, posé dans mes lunettes. Oh oui.
Oh, merci. C'est gentil. Il m'a rendu tous mes PV. Bien gentil de me faire petit à petit. Ah bah, est-ce qu'il va trade? Si trade pas, c'est pas intelligent, je pense. Ça sent bon pour moi. Non. Alors là, vu qu'il a pas trade. Donne plus un plus 1 à tous les serviteurs dans votre main et votre deck. C'est un peu pété, ça. Mm-hmm. Attends, tu vas trop vite, là. Je regarde. Alors, t'as pas une provoque, là? Non. Bah, tu mets un ton, comme ça, il va être obligé de la trade. Bah, le plus gros... lui. Attends. Mmh. Ouais, dis donc. Alors, cri de guerre, ouais. Ouais, quoique, ça peut être intelligent. Bah oui, c'est pour ça que je voulais mettre. Clac, attends. Mais. Voilà. Inflige 2 points de dégâts. Oh, attends. Attends. Ça fait quoi? T'es pas obligé de t'en servir maintenant. Vous rallumez, vous piochez une carte. Ça peut être chiant. Moi, je dis ça. Ça. Oui, vas-y, si tu veux. Ça. Là. Ouais, tu viens limite de niquer une de tes crates, quoi. Parce que là, il va sacrifier une de ses crates les moins fortes. Mais j'aurais pas pu la défense, de toute façon. Après, je pose ouais, ça. Ouais, mais moi, ça l'obligeait à perdre des PV sur sa grosse crate et t'aurais pu t'en débarrasser vite fait. Mmh. Ah ouais. Voilà. Du coup, t'as tué une de tes créates parce que tu l'as réduit. Mais après, c'est des choses qui arrivent, hein. Le risque. Oui, mais... Tente des trucs. Tu t'entends plus trop, je trouve. Oh, oui. Ah, je vais te punir. Oh. Une bave dans la tête. Bim. Ciao. Je vais te punir, non, mais... Dans les dés. Ah ouais, non, mais c'est ça. Ah, 4 points... Ouais. C'est pas fameux. Bon, dépêche-toi de crever là. Mais laisse-moi réfléchir, j'ai pas forcément envie de perdre. Même mais si c'est perdu. Ma partie, chut. T'avais pas qu'à dire bonjour. C'est trop hostile. Ouais, tu mets le truc avec deux bananes, ça se trouve les deux bananes sont boostées. Non, je pense pas. Parce qu'elles viennent de ça. Mais... Ah, c'est bon, plus un, je crois. Nickel. Oui. T'infliges pas deux, hein. Tu gardes le deux au cas où. Totem. Oui, vas-y, totem si tu veux. Le totem, tu peux pas sortir. Si au prochain tour j'arrive pas à m'en sortir, j'ai perdu. C'est jamais. Si misplay comme toi. Tais-toi. Je sais que je misplay, mais c'est comme ça. Je suis pas une pro. J'essaie de jouer un maximum pour m'améliorer. Mais comme je l'ai dit, j'ai pas grand chose, donc c'est compliqué. En plus, VM me provoque, voilà. Ça va. C'est la mauvaise. On s'en bat les couilles. Ouais, mais il a peut-être autre chose. Putain, il y a un secret. T'imagines ce bloc de glace. Bloc de glace. Bah, pas c'est si un secret mage. Hein. Bah, ah, mais c'est aléatoire. Bah c'est... oui. C'est vrai que tu peux avoir tous les. Enfin, le sort de plusieurs. Oh non. C'est des choses qui arrivent. Non. Bah, la clé, ils sont là, logique. Donc là, si j'ai rien, prochaine tour, en fait. Bah, t'as perdu, de toute façon. Vraiment, tu peux continuer à jouer, mais t'as pas concédé. Attends. T'as pas un truc pour infliger des dégâts? Hé. Hey. Oh. On peut faire un truc. Hein. Gagne. Ah non, cri de guerre. Inflige un dégât. Attends. T'as perdu. Qu'est-ce que je disais? Chut. Je lis l'âme des cartes. Voilà. Ensuite. Je sais où tu te caches, Yogi, enculé. Et ça joue des gnomes. Ça se respecte pas.
Ouais, mais ça, ça va pas forcément me sauver. Ça sert à rien de les booster. Laisse-moi réfléchir à ce que je veux faire. Merde, ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Faut t'en garder. Tu vas perdre ton arme. Hein? Tu vas la perdre ton arme. C'est pas une arme, c'est juste l'attaque et ça m'a donné 2 points de. Oui, mais bon, là, tu perds. Hein? Tu pouvais trade une créate, je pense. Ouais. Non, parce que là je vais infliger ouais, bon, que enfin, deux. T'aurais pu réduire. Mais il va peut-être jouer ça sur un sort. Hein. On sait qu'il doit avoir un truc dans la main. Non, il a pas de sort dans mes decks. Mais il a quand même un truc peut-être dans sa main qui va te tuer. Voilà. Oh là. Non, Léo, oh putain, les ch'tis aujourd'hui là, ils savent plus rien. C'est ça. On verra bien. C'est compromis. Il y avait rien pour tuer. Oh bah tiens. Si tu la passes en provoque, ça peut être très rigolo. Ah. Camouflage, mais du coup, bah ouais, je pourrais face avant de mourir quoi. Il n'y a plus de place sur le bord. On va t'infliger 4 points de dégâts. Non, il s'est infligé à lui. Alors, ouais, je sais pas. Bah là, au point où on en est. Toi, j'ai un truc en surcharge, bah on va poser ça. Comme ça m'enlève la surcharge. Nickel. On va poser ça et on va prier pour qu'il y ait le. Ouais, vas-y, hein, tente. Le taunt. Je te t'aime. Qu'est-ce que ça... Ah oui, ça va transformer un... le totem. Oui, 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 du calme. Puis, vu que t'as perdu, vu que t'as perdu, tu face. Juste oui, pour le plaisir. Voilà, le secret, comme ça, oui, ça détoie. Oui, J'avais perdu. J'avais juste... On verra jamais ouvrir de booster en vidéo, du coup. Mais j'en ai déjà ouvert un, mais le souci c'est que là ça fait 3 semaines que je perds bon, après, à chaque fois. Après t'as pas forcément perdu vu que t'as des secrets. Oui mais les secrets vont pas me sauver. Celui-là c'est transforme mon serviteur 1-1, en l'occurrence mon bord est plein donc ça marchera pas. Et oui il va directement chercher un phase de toute façon. Donc... Ouais mais je pensais que ça aurait transformé son truc en 1, ça t'aurait fait survivre avec les autres machin. Non non bon. C'est quoi il le joue. Bon bah c'est bien marqué, j'avais raison, c'est une défaite. Quel est votre... Mon ressenti. Votre ressenti. La haine. Ça fait 3 semaines que je perds. Et bah ouais, mais c'est comme ça. Hein. C'est un jeu avec un peu de hasard. Mais j'ai jamais de chance là-dedans, ça me saoule. Oui, mais après, c'est comme ça. Et voilà. Bon, bah cette vidéo est finie. Hein. Ouais. On peut rien faire d'autre. Hein. Bah là où on en est. On peut pas remonter en temps. Faut attendre ce que ça donnera la semaine prochaine et voir si ça va être quelque chose de mieux ou en pas. En espérant qu'elle gagne, histoire qu'elle vous ouvre au moins un booster quoi. C'est là, franchement, le contenu des vidéos n'est pas terrible hein. Oh ouais, je fais comme je peux hein. Si vous voulez, un jour je vous fais une vidéo, je sais pas, quête, une vidéo arène. Aventure, je sais pas, faudrait voir. Ouais, mais aventure, faut les acheter, aventure, donc après, ça dépend si. Faut voir, après, c'est long. Les arènes, ça peut mettre un peu de temps aussi, ça dépend, mais ça peut être sympa à faire. Faut dire ce que vous voulez, si autre chose que le bras de fer, ou voilà, vous dites. Hein. Il y a pas de souci, on vous fait ça, il y a pas de problème, vous faites ça aux petits oignons et tout. Donc voilà, bon bah sur cette défaite, hein, je vous dis au comme revoir, grave, hein. comme depuis 2 semaines. Et hein. Puis n'oubliez pas de vous abonner, parce que c'est quand même important. C'est ça, tous les trucs sont de l'autre côté. Par là. La meuf perdue, quoi. Là, ici. Ils sont ici. Ils sont gagnants maintenant. Twitter et Facebook. Et puis plein de choses, hein. N'oubliez pas que... Faut être là, faut être présent au live, ce genre de choses. Bientôt la FAQ. C'est ça, donc faut commenter pour poser des questions. Ouais, toujours. Toujours. N'oubliez pas, c'est vous toujours d'actualité. Pas. C'est pas fini encore, vous avez 2 semaines. Alors allez-y. Voilà. Et bah voilà. Encore une défaite, sur ce, encore une défaite. Elle va aller pleurer comme d'hab. Je vais aller m'enfermer dans les toilettes et puis je vais aller. Pleurer.
j'allais pleurer. Ouais. Sous la douche. Sous la douche, dans les toilettes, ouais. C'est ça. Bon, bah sur ce... Bonne soirée, bonne semaine, on sait pas quand elle sortira. Mercredi, pour moi, excuse-moi, c'est la première que je fais avec toi. C'est vrai. Donc voilà, on sait pas quand vous la regarderez. Voilà, donc une bonne semaine, une bonne soirée, une bonne après-midi, un bon réveil, tout ce que vous voulez. Et puis sur ce, bah, à la semaine prochaine. Zoubi.